Ricardo. Tu m'arrêtes. De nouveau ? Apollo utilise des protocoles de Weyland Yutani. Quoi ? Sigson a revendu. Ricardo, Apollo refuse de céder et dit qu'il y a un problème dans le réacteur. T'es de la compagnie. Dis-lui que t'en as rien à foutre et qu'il doit t'obéir. Désolé, Ricardo, mais je compte pour du beurre. Samuel, Taylor, moi, on n'est que du vent. Je suppose que si on valait quelque chose, Apollo aurait un peu moins envie de nous tuer. Quelque chose d'étrange. Les synthétiques perdent la boule. Alors je trouvais des gars pour me filer un coup de main. J'en ai envoyé un à la salle de fabrication, mais il n'est jamais ressorti. Toutes les portes sont verrouillées et c'est certain qu'il ne pourrait pas passer dans un conduit d'aération sans galérer. On ne sait pas trop quoi faire. Ça paraît un peu injuste de continuer le travail sans s'arrêter pour le retrouver, mais on ne sait pas où chercher. Notre service est bientôt fini. Je vais rapporter l'incident à Waits et au Marshall.
Grâce à Sixon, quelqu'un est toujours là pour vous aider à chaque étape du chemin. Ça peut faire mal, ça.
on se remet au travail. Déjà allé au réacteur? Jamais fait cette visite? J'ai fait une formation dans un réacteur, mais c'était dans une autre vie. Centraux, la routine habituelle. Va falloir que j'explore l'étage inférieur. Il devrait y avoir un ascenseur dans le coin. Thank you.
Non. Oh, c'est pas vrai. Ricardo, ils sont tous ici. Qui ? Tous les gens qui ont disparu. Tout le monde. Ils sont coincés dans une sorte de nid. Il y a des œufs, c'est comme une ferme. Merde. Fiche le camp de là. Maintenant. Il faut que je rallume le courant de la plateforme depuis ces conduits. Silence radio, Ricardo. C'est pas bon du tout. Thank you.
Ricardo, je peux détruire le nid. Ripley, t'as assez risqué ta vie pour aujourd'hui. Je peux allumer tous les noyaux, les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer d'avis, Rip. J'aimerais juste que tu t'en sortes indemne. Voilà ce qui va se passer. Des circuits de surcharge d'urgence envoient l'excès d'électricité dans les batteries du condensateur local de chaque tour. Si je les découpe et décharge le système, l'évacuation sera externe. Le nid sera en plein dedans. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Trouve juste un truc où t'accrocher. Thank you.
Ricardo, je vais purger le nid. Tiens bon. Niveau d'énergie compromis sur l'ensemble de la station. Il en reste encore dans la station. Oh, merde. Je suis désolée, Ricardo. Allez, retourne au bureau du Marshal, Rip. S'il te plaît. Tu crois ? Va au centre médical, tout de suite ! La purge du réacteur a provoqué un redémarrage des systèmes dans Sébastopol. L'éclairage, le transit, peut-être même les communications. Je crois que c'est notre chance, vas-y ! Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps, je vais au centre de communication ! À destination de la tour Simon de Sébastopol. Ricardo, je suis dans le centre médical. T'es aux communications. J'y suis, mais c'est trop tard. Apollo s'est remis de la purge et vient de reverrouiller les communications externes. Merde. Pourquoi tu m'as envoyé ici ? Plan B, Rip. Avant que je parte, les systèmes ont montré un vaisseau en approche de Sébastopol. Je pense que c'est la Nessidora. Marlowe a réussi à envoyer ses codes de pilote auto pour le ramener pendant que les coms ont été temporairement rétablis. Faut qu'on y aille. Il est amarré ? Non, mais il est en stationnement pas loin. Dirige-toi vers la baie des ambulances. Les navettes sont pour les courtes distances, mais ça peut le faire. Ok.